Et bonjour, frères et sœurs, bienvenue de retour dans notre étude de 2 Thessaloniciens, rendu au chapitre 3, ce moment d'exhortation. Et là, on rentre dedans pour le terminer, ces requêtes de prière, et les rendre en vif de l'exhortation. Et techniquement, c'est une belle grosse exhortation. Où est-ce que Paul s'attaque à un problème à Thessalonique? Et certains ont dit que le problème là est rattaché au même du chapitre 3, en deux mots, la folie de l'eschatologie. D'autres ont dit non, c'est pas rattaché au chapitre 3, mais plus à 1 Thessaloniciens. So, quand tu tournes dans cette épître, tu vois qu'il y a quand même un lien là aussi avec une mauvaise compréhension de la fin des temps. Mais bon, que ce soit connecté ou non, l'idée c'est qu'il y a un sérieux problème et Paul veut faire face à ça. C'est une belle grosse section, donc on va parler de couper en deux. On veut quand même des petites capsules pour rendre ça plus facile à mastiquer. Et donc, la prochaine fois, on va se concentrer sur quel était le problème exactement. Plus de détails qui est donné. Mais ici, on va se concentrer sur on fait quoi? Quelle devrait être notre attitude face à ce problème? Donc, on va développer davantage le problème la prochaine fois, mais ici, on va se concentrer sur comment on doit agir. Et il faut jamais oublier le contexte que, encore, dans 1 Thessaloniciens jusque dans le deuxième aussi, on voit qu'il y a un gros accent sur la vie chrétienne qui témoigne de l'Évangile. La façon de vivre dans la communauté, travaillant tes mains, étant des bons parents, et ainsi de suite, et bien sûr, prêchant l'Évangile, c'est ça qui est clé. Et je dirais que c'est comme ça pour toutes les épîtres de Paul. Et tout ça vient garder en ligne de compte lorsqu'on rentre dans cette exhortation aussi. Tout ça, vous allez comprendre. Et maintenant, on peut toucher à partir du verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Ne manquez pas que ceci est au nom du Seigneur Jésus. En d'autres mots, l'autorité que Paul utilise n'est pas la sienne. Mais s'il va se donner un exemple à suivre, ultimement, c'est de Dieu. C'est du Seigneur Jésus. C'est ça qu'il veut dire par au nom du Seigneur. Comme il fait dans 1 Corinthiens 5. Dans 1 Corinthiens 5, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit dans le péché et l'Église n'a rien fait? Il n'y a pas de réaction, on les laissait faire. Et Paul, avant de rentrer dans le vif de comment agir, il va dire, moi et le Seigneur est avec vous. En d'autres mots, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Et donc, lorsqu'il leur recommande, ou plus exactement, il leur commande, le mot qu'il utilise, ça parle vraiment de venir proche et de donner des commandements. On l'a déjà vu même. Des commandements, et même qui va très bien avec les instructions qu'ils ont reçues de la part de Paul. Instructions, même encore plus tradition. Et je sais qu'on a toujours un mauvais œil à rapport avec la tradition, mais il ne faut pas mal le voir. Il y a vraiment une idée que tradition que la Bible présente, c'est de vivre selon des commandements qui ont été donnés il y a plein de générations avant. En d'autres mots, qu'est-ce qui est écrit dans les épîtres de Paul et de Pierre, et ainsi de suite, c'est des traditions de vie chrétienne qui sont appliquées maintenant. Mais bon, je ne vais pas trop vous perdre. L'idée, c'est, vous avez vu l'instruction, hein? C'est la sandwich. On commence et on termine avec l'idée d'instruction parce qu'il y a un problème. Il y a des gens qui vivent dans le désordre et non selon les instructions. Là, on va se demander, c'est quoi ce désordre exactement? Surtout que le mot que Paul utilise est quand même assez général. Ça parle des choses qui ne sont pas en ordre, les choses qui sont pas sont dans la norme. Et même, des fois, c'est utilisé comme un terme militaire pour parler des gens qui sont hors des rangs. Faut vraiment agir et marcher comme ça en tant que soldat, et eux sont un peu à côté, un peu faisant les choses à leur façon. Mais c'est là qu'il ajoute justement cette idée que c'est non selon les instructions. On comprend mieux qu'est-ce qu'il faisait par désordre. Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, guidé par Dieu pour être missionnaire, leur donne, voici les commandements de la vie chrétienne. Et eux, on dit, on veut vivre différemment de ça. C'est de ça que Paul fait référence ici. On va comprendre mieux la prochaine fois exactement à quoi ça ressemblait, mais pour tout de suite, c'est ça qu'on regarde en tête, cette idée générale, un peu comme dans 1 Corinthiens 5. Et de la même façon que dans ce chapitre-là, Paul va dire la façon d'agir, c'est de s'éloigner.
de se séparer. Oui, ultimement, ce qui est maintenant 1 Corinthiens 5, c'est vraiment qu'il doit tenir sur discipline, avec une excommunication. Mais il a terminé le chapitre 5 en disant, séparez-vous de frères ou de sœurs qui se disent justement croyants, mais qui vivent en péché. Il y a quelques listes de péchés pour montrer qu'est-ce qu'il veut dire. C'est un peu comme Jean en parle dans 1 Jean chapitre 3. Celui qui a cette nouvelle nature en lui, la semence de Jésus, la semence de Dieu, ne peut pas vivre de cette façon. Ça, c'est ceux qui sont les enfants de Satan. Ça, c'est l'idée donc d'être en train de vivre dans le désordre, dans le péché. Tu te sépares d'eux autres. Là, c'est se demander à quoi ça ressemble, parce que ce n'est pas spécifiquement l'excommunication ici. C'est vraiment cette personne-là qui est encore dans l'église. Tu pourrais la côtoyer des fois dans la rue, surtout si tu es dans une petite ville. Est-ce que tu changes de trottoir quand tu le vois? Pas nécessairement. Il y a quand même cette idée, on ne peut pas fraterniser comme avant. Moi, je t'appelle à fraterniser avec ceux qui aiment et suivent le Seigneur pour qu'on s'encourage dans la foi. Mais toi, tu vas m'arriver avec ta vie de péché, puis encore, ça pourrait m'influencer, je dois me séparer. On peut jaser, mais faut que tu comprennes, moi, je vais t'encourager à revenir. Je ne veux pas, mais moi, je vais te pointer du doigt et dire, repends-toi. Mais je ne veux pas non plus approuver comment tu vis. Puis je vais te mettre au défi si tu continues comme ça. Puis ça ne peut pas être toi de t'amener. Moi aussi, je dois me séparer pour mon bien. Et encore, à quoi ça ressemble? C'est que le Seigneur nous a des guides, mais c'est quand même ça, hein, le commandement qu'il leur donne de s'éloigner de telle personne, de se séparer d'eux. C'est une mauvaise corruption qui peut corrompre les bonnes mœurs. Ils vont appeler à avoir une distance. La Bible le répète encore et encore. Paul le répète. Il ne va jamais se tanner de le dire. Et si c'est la première épître qu'il écrit, les autres aussi, dans d'autres langages, il va dire la même chose. Ils vont toujours interpeller les gens à se séparer de ça. Et à la place de regarder à autre chose. C'est comme s'il fait vraiment une ligne dans le sort, puis il dit ça, non, mais ça, oui. Et le ça, vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre, de vivre parmi eux, que Paul revient à ce moment où il était avec eux, comme il fait à 1 Thessalonique. C'est important. On va le voir revenir encore et encore. Parce que lorsqu'il était là, il était un exemple à suivre, hein, à imiter. Il leur dit, vous le savez, vous avez cette perception, perception a vraiment cette idée, vous vous rappelez comment j'ai vécu. Vous vous rappelez comment moi et mon équipe, on a agi auprès de vous, comment on a cherché à vivre l'Évangile, vivre de façon ordonnée devant vous, selon les commandements de l'Éternel. Vous l'aviez. Rappelez-vous, là, comment j'agissais, moi et mon équipe. Rappelez-vous ces choses-là et comment ça s'était mis devant vous. Revenez à ce moment. Rappelez-vous ça comparé à comment eux vivent. Vous savez qu'il y a une différence entre les deux. Vous le reconnaissez. Et moi, je dis, c'est comme ça que vous devez vivre. Pas comme ça. Il faut continuer à expliquer à quoi se ressemble cette vie-là, pour les aider à se rappeler un peu. Alors, disant, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été, nuit et jour, à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Pas manquer ici la répétition, un peu comme tantôt on l'a vu, l'idée qui était en désordre. Et ne vit pas selon les instructions, hein, la répétition de synonymes. Il le fait encore ici. Travail et peine, même œuvre. C'est jour et lui. Il y a beaucoup de répétitions pour dire la même chose, pour mettre l'accent à quel point que sa vie, c'était de prendre soin d'eux, de travailler de ses mains, de vivre la vie chrétienne, de montrer que ce n'est pas quelque chose qui est impossible ou seulement pour les méga chrétiens. Je l'ai fait devant vous. Il y a eu des efforts, mais je l'ai fait devant vous. Je prêchais l'Évangile, je prenais soin de vous, puis en même temps aussi je travaillais mes mains. Je vous ai montré que c'était faisable. C'était la vie chrétienne normale. Ça ressemblait à ça. Et justement, il ne mangeait pas gratuitement le pain des personnes. Là, on commence un peu à voir à quoi il peut faire référence, mais. Encore, on va voir ça la prochaine fois plus en détail. Ce qui est bon à noter, c'est que le mot gratuitement, par cette idée que c'est sans mérite ou sans cause.
C'est important parce qu'il y a un sens où que pour certains, ils ne peuvent travailler. Et on a besoin de les supporter, les soutenir. Hein? Eux, on doit les avoir à charge, porter les fardeaux les uns des autres, comme il dit dans Galates. Il y a une place pour ça. Ou dans Corinthiens, il va parler de ceux qui sont faibles, qu'on les supporte, les soutiennent. Il y a une place pour ça. Mais l'aider gratuitement, donc c'est plus que juste, c'est mal automatiquement d'être aidé de quelqu'un. Non, c'est quand même pas une cause. Il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de raison. On n'a pas juste pris du pain des autres et été un fardeau pour vous parce que je pouvais. Parce que ça me tentait. Mais pas qu'il va aller encore plus loin que ceci. Il va ajouter, ce n'est pas que nous n'usions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Encore ici, la répétition de synonyme, parce que le mot modèle, on va essayer de répéter avec un moule, tu presses dessus, tu sors plein de choses similaires, qui est même chose ou très similaire au mot imiter ici. Donc encore, il répète cette idée, c'est un exemple que je vous donnais. C'était un exemple que je vous donnais. Mais ne manquez pas, il y en avait un droit qu'il soit à charge de l'autre. Comme il dit aux Corinthiens, j'ai le droit de vivre de l'Évangile. Je suis un de ceux donnés le droit par l'Éternel de vivre de l'Évangile en tant que missionnaire, envoyé. J'aurais pu vous le demander de pouvoir à mes besoins. Je ne l'ai pas fait. Et un peu comme les Corinthiens, Paul s'en abstient en partie pour donner un exemple pour la suivre. C'est-à-dire que vous pouvez travailler vos mains, évangéliser, et servir le Seigneur, et vivre votre vie chrétienne. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Il leur laissait un exemple à suivre. C'est-à-dire, non, c'est impossible. Non, ça ne se fait pas de vivre dans cette société, puis de ne pas l'imiter, de ne pas être comme eux. Et je sais parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui profitaient des autres. J'ai déjà donné l'exemple, un peu comme de nos jours avec les entourages, les gens qui profitent des vedettes, les gens autour d'eux. Ça existait dans ce temps-là aussi. Donc, la société là, pourquoi pas? On a dit, moi j'aurais pu, vraiment j'avais le droit. Mais je ne l'ai pas fait parce que je vous donnais un exemple. C'est pas ça qui honore Dieu. On devine d'une façon qui honore Dieu qui va être différente du train de ce monde. Et je vous donnais l'exemple de ceci. Moi et mon équipe, bien sûr, ça, c'est nous. On avait le droit de, mais on ne l'a pas pris. Et vous continuez à expliquer qu'est-ce qu'il veut dire. Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et c'est ici qu'on pourrait dire, faire la boucle au moins de cette section. On voit que ça vient se clore au moins cette partie-là. Et je dis ceci parce qu'il revient sur l'idée d'instruction. Nous vous disions expressément. Tellement c'est un mot et le mot, c'est le même que recommandé qu'on a vu au début. Hein, de commandement. On vous donnait ce commandement. Je vous le donne comme je l'ai déjà donné. Et comme j'ai dit, Paul revient encore souvent hein, quand j'étais avec vous. Donc je vous parle maintenant, mais c'est pour vous rappeler quand j'étais avec vous. Je l'ai déjà dit, je vous le répète encore, ça devrait être dans votre tête là. Je l'ai vécu, je vous l'ai dit, je vous répète, comme on dit au verset 6. Ça devrait être dans votre tête. Si quelqu'un ne veut pas, ne manquez pas, hein? L'aspect de vouloir, c'est vraiment le verbe de volonté qui est ici. Vouloir travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il y aura un cité, si tu es capable, fais. Et là, je me permets de l'appliquer un peu plus loin, même pour ce qui est de servir dans l'Église. Il y en a qui sont faibles encore. 1 Corinthiens 12, on les soutient. Surmontés par le péché, rétablit tranquillement. Galates 6 nous dit. Mais sinon, si t'es apte, t'es capable, sers. T'as des dons. Applique-toi pour le bien de la communauté. Mais ici, bien sûr, le contexte, c'est littéralement de pouvoir manger. Ça semble si banal, si simple. Pourtant, c'est une vérité de base. Tu veux manger, tu dois travailler. C'est comme ça. Tu veux avoir, il faut aller le chercher. D'accord, ceux qui ne veulent pas reconnaître ça, éloignez-vous d'eux autres. Séparez-vous de telles personnes. C'est des gens qui vont agir et passer d'une certaine façon et, tristement, ils vont chercher à vous influencer pareil. C'est pour ça qu'il faut se séparer d'eux autres. Parce que les gens qui sont infectés par le péché, parce qu'ils persévèrent dedans, vont nous infecter aussi.
C'est pour ça, ici, quand on tient d'autres places, on est appelé à se séparer de telle personne. Pas par méchanceté, pas parce qu'on est meilleur, parce qu'ils ont l'infection qui a pris le dessus sur leur vie. Hein, je vais me permettre d'un autre exemple de péché, la médisance. Quelqu'un qui sent toujours besoin de parler en mal des autres, puis on l'avertit une, deux, trois fois. On devrait se séparer parce que cette personne-là va juste parler à la corruption des autres, va juste parler négativement, ça va venir m'affecter. Je vais commencer à penser négatif des autres aussi. Non, va-t'en, je peux pas. Encore, à quoi ça ressemble que Dieu nous guide, mais prononcez-le, le commandement qui nous est donné. Cet appel à se séparer de ceux qui persistent à leur péché. Mais comme je dis, la prochaine fois, on va aller un peu plus en détail de quel péché Paul fait référence, à quoi ça ressemble, cette discussion ici de manger et de ne pas travailler. Et pour tout de suite, gardons en tête, notre Dieu est saint. Il est séparé du péché. Il est appelé à faire la même chose. On a besoin de son aide pour ça. Parce que sinon, on peut le faire de façon orgueilleuse et méchante, mais quand même, soyons prêts à s'éloigner de ceux qui veulent persister dans le péché. Sur ce note, prions. Oui, au Père, on a besoin de ton aide parce qu'on veut t'honorer. Parce que tu es saint, parce que tu es séparé du péché, tu nous appelles à vivre pareillement. Et tristement, même dans la communauté chrétienne, il y en a de ceux qui sont infectés du péché. Donne-nous la sagesse, Père. Donne-nous de tenir ferme. Et on prie pour la repentance de ceux qui sont infectés et persistants dans leur péché. On prie qu'ils se réveillent, Père, qu'ils réalisent. Et maintenant que tu nous rappelles aussi de travailler pour manger, c'est plus que juste une vérité de base, c'est d'être un témoignage. On va voir plus la prochaine fois, c'est d'être un témoignage pour Christ et on veut l'être par-dessus tout. Donc on demande ton aide au Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et soyez bénis.